pas assez réaliste comme on a l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que la plupart des partenaires contrôlent le Katagoma. Donc en général, la défense du Katagoma, quand je veux placer, c'est ça. Donc souvent, le cervical, c'est pas ce qui vous intéresse. Donc lorsque je passe sur Katagoma, je vais toujours dans la diagonale arrière, là. Comme ça, j'ai moins de résistance. Ok? Et on peut s'amuser à le faire sans garde. Et même quand il a la main. Les deux côtés, plus de garde. Tu vas accrocher la jambe derrière. Ouais, ça part en grosso dos. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez voir que quand vous allez faire Kosoto, le partenaire il va tourner. Donc là, voilà. Obligatoirement, le Kosoto fait que le partenaire il gagne. Donc ensuite il rentre dans le Katagoma. Ok? Mais de base, Katagoma c'est ça. Je suis ici. Non, ressort, c'est bon. Vous voyez? Donc de base c'est poussé. Quand je suis ici, je fais exactement la même chose, sauf que je vais accrocher la jambe. Donc ça fait kata, no kata pour ce coup. Est-ce que tu peux juste décomposer sans faire chuter forcément quand je prends là? Ici, je prends ici sous les aisselles. D'accord, sous les aisselles. D'accord. Qui les garde ou pas. Ici, tête et jambes. Donc n'ayez pas peur, votre tête ne va jamais aller sur le sol. Quand ça va partir, ça a toujours tourné. Souvent en train de rentrer la tête dans le tapis. Ça n'arrive pas. C'est bon? Voilà. Vous voyez, il y en a qui sont très très forts dessus. Ouverture. Et qui arrivent à changer. Sous le coup. Vous voyez. Ok, après si on schéma Migata garde tout ce mouvement, on peut tourner dessus. Ça doit aller. C'est bon pour le kata? Parfait, merci. Merci. Merci.